con l'alcash. Andiamo a chiedere un chaco. Sanca chica. Ma è tutto scalato, vedi? Je sais que personne ne voit. Pourtant, moi, si. Lara, si tu m'entends. Je suis là. On n'est pas chez Uluwatu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Peut-être nous couvrir. Tu l'as? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Uluwatu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akan y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici? Je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Lara. Je vais la retrouver. Je sais. Ça a fini. Ces soldats morts, il y a plus de rebelles que de fanatiques. Chachevanu chik in topikonop. Chenhumpel batelilu chhel bishunahe. Beishan in tukul. Minanu nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Tokili uhet tantike. Beili kun uchulo. Hachwahelum binton utsil waminan kukulkantik wignalone. Un
Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Lara, ton déguisement de la garde serpent est très réussi. J'ai trouvé le mot de passe pour la prison de ma mère. Les yeux innocents clignent à l'aube, quand la faiblesse disparaît. C'est noté. On va la faire sortir, Etsli. Encore une chose. Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'il devait le sacrifier, je... J'ai compris. Seuls l'exalté et le sage peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Combien de temps vas-tu poursuivre cette mascarade de rébellion? Aussi longtemps qu'il le faudra pour te neutraliser. Et tu oses me dire ça en face? Tu sais que je... Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait arrêter? Si mon frère était en vie, paix à son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Paititi quand l'aube se lèvera sur un monde sans menace extérieure. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Paititi. Malgré les divisions, je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur, et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Paititi ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. En restaurant le soleil? Hein? Ça ne mettrait Paititi à l'abri que quelque temps seulement. Et ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non! Non! Nous devons être forts. Décisifs. Épaule-moi. J'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde.
Un monde régi par le culte de Kukulkan. Ou devrais-je dire les Trinitaires? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te le laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Paititi et puis... Je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux. Je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer, mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volée. Il y a 4 siècles. Quoi? Tu as gâché ta vie en cherchant au mauvais endroit. Laisse-moi. Jonah, je sais où elle est. Je vais la chercher. Ok. On est en chemin. T'as senti la secousse tout à l'heure? Oui, quand j'étais dans le cénote. C'était un signe avant-coureur. La terre va bientôt trembler. Il faut qu'on se dépêche. Ouais. On va libérer Unuratu, et puis on ira chercher la boîte ensemble. Non, impossible. Je peux plus rien transporter.
Je viens de traverser le fleuve. Je suis presque à la prison. Ça grouille de garde. On se dirige vers le fleuve. Je te recontacte quand on y sera. Ok. La boîte n'est pas à Paititi. Je sais. Je vais être forcée de rejoindre Amaru. Je me serais battue en vain depuis la mort de Sairi. Je ne les laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait, nous serons tous détruits. J'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'autel où se trouvait la boîte. Quoi? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chêne. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Shinshichika, le dernier empereur de Paititi. Sa tombe est dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvée. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher.
Il risque d'y avoir des gardes partout. On arrivera à se faufiler. Ce sera dangereux. Je sais. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Comment va Edsley ? Bien. Il m'a aidé à vous trouver. Il doit être avec Ushu. Jonah, je suis avec Onuratu. Oh, parfait. Edsley veut lui parler. Mère, on envoie des renforts. Tu veux que j'aide Ushu ou qu'on en profite pour capturer la zone? C'est toi le chef en mon absence, Edsley. Suis ton instinct. Leitchkalankoele loputi, hachpila bucho. Impossible. Je peux plus rien transporter. Tulaka Tukuchil. Bash le Helo. Telo, Ichi Lechi Wobo, Shena Willer. C'était le dernier, vous croyez? Pour l'instant. Dépêchons-nous d'atteindre le quartier supérieur. Après vous. Je crois que c'est bon. Allons-y. Prends cette clé. Viens, je veux te montrer quelque chose. L'éclipse se rapproche. Lorsqu'elle sera là, la boîte voudra s'ouvrir. La tentation de la boîte est très puissante. Elle cherchera à m'attirer, à me tenter de ses illusions. Une solution simple à nos problèmes. Mais elle ne me montrera que mes désirs, mes secrets les plus forts. Je me prépare depuis toujours à la combattre. Amaru n'a pas encore vu la boîte, mais déjà son pouvoir corrompt son esprit. Paititi est un peuple qui ne survit que par notre volonté, tous ensemble. Donc, si Amaru recrée Paititi à son image, c'est comme s'il détruisait tout. Oui. Le monde extérieur est une menace. Mais le risque fait partie de la vie. Nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs. Vous êtes sûr de pouvoir résister à ce pouvoir quand vous l'aurez? Non. Mais si toutefois j'échoue,
Le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. Allons-y. C'est quoi le feu cramoisi? C'est ma destinée. C'est en rapport avec le sacrifice de Kukulkan. Quand le feu cramoisi fume, cherche ton miroir. C'est une force de responsabilité. C'est tout ce que je sais. Ces créatures, est-ce qu'elles viennent parfois par ici? Des créatures? Elles attaquent. Dans les grottes autour de Paititi, elles s'en sont prises au Trinitaire. Et près de l'hôtel où se trouvait la boîte, elles se sont jetées sur moi. Tu veux dire les Yashil? Des Yashil? Ils étaient grands, rapides, affamés. On aurait dit désespérés. Je ne parlerai pas de créatures. C'est bien plus que ça. La clé que je t'ai donnée devrait fonctionner. L'arrivée au Yashil. Les légendes sont nombreuses. C'était il y a longtemps. Mais Paititi leur doit en partie sa sécurité. Ils la protègent? Je ne sais pas si c'est leur intention. Mais leurs actions ont cet effet. Ils n'attaquent jamais la ville? Non. Nous vivons tous en bonne intelligence. Je crois qu'Amaru prépare un sacrifice public. Avec un rebelle? Nous devons l'arrêter. Non. Pas sans préparation. Et pas au risque de perdre la boîte. Le guerrier qui consent à ce sacrifice préférerait la mort. Suis-moi et fais ce que je fais. Les gens pourraient devenir agressifs. Par ici. Junkinesh, Kochkelich, Olkeonesh. Ils menacent notre sécurité et notre avenir. Leur chef, la traîtresse Ulutu, votre reine déchue, est ma prisonnière. Et il n'est pas trop tard pour la sauver. Aujourd'hui, nous offrons un sacrifice à Kukulkan. Regarde ce qu'il faut. Pour qu'il nous protège de l'éclipse qui approche. Avec ce sacrifice, la vie de ce rebelle sera sauvée. Que ses camarades voient la lumière et nous rejoignent. C'est un moyen pour parvenir à ça. Des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Vous pouvez y aller. La tombe est là-haut, sur cette statue. Je vais surveiller la porte. Ce sera pas long. Près du fleuve, paré à vous récupérer, Onuratu et toi. Dis-moi quand vous serez prête. Bien.
bizarre. J'ai plus qu'à entrer. Je peux entrer par là. Lara, t'es où? Dans la tombe de l'empereur. J'ai presque terminé. On sera prêt. Quelqu'un entretient le feu. Il est encore très aimé. Cet hôtel est très raffiné. Ça devait être un monarque important. C'est frappant, on ne peut pas nier l'influence Inca. La tombe du dernier empereur. Le culte a dû se développer après sa mort. Ok, l'éclipse et le héron. Qu'est-ce qui manque? Mais c'est Lopez qui a laissé ça? Le cœur du serpent est dans la coupe. Le cœur du serpent est dans la coupe. Ici ! Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft? Unuhatu. Non. Donne ça, Hetzli. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune, mais fort. Son esprit aussi noble que son sang. Tenez bon, restez avec moi. La boîte, elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin. Paititi! Mais c'est qu'il compte tout l'acte à télé! Mais vas-y, qu'est-ce qu'on a qui? Honnête! Tu me sais?